Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse. Épisode numéro 17. Pluralité des mondes. Oups ! Chez nous, on est plus léger, on se déplace par la pensée. Alors, je crois que je suis arrivée un peu vite. Bonjour les petits amis, je suis Spirinette. Je viens voir Spiritou. Il m'a demandé de venir car je vis sur une autre planète. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, a dit Jésus. Et quand nous contemplons le ciel, nous voyons des milliers d'étoiles. Chacune de ces étoiles est un monde. Certaines sont plus grandes que la Terre, d'autres plus petites. Et beaucoup sont habitées. Il y aurait beaucoup de vanité à imaginer que nous sommes les seuls êtres intelligents de tout le cosmos. Ces mondes semés dans l'espace sont les différentes demeures que nous habiterons à mesure que nous allons progresser. Personne ne reste pour toujours sur le même monde. Nous sommes créés simples et ignorants, et par nos efforts, notre travail et notre bonne volonté, nous développons notre intelligence et nos bons sentiments. À mesure que nous évoluons, nous passons par un monde puis un autre, jusqu'à parvenir à être avec les purs esprits et n'avoir plus besoin de nous réincarner. Les mondes sont différents les uns des autres, selon l'aspect physique et moral de leurs habitants. L'organisation des êtres est différente, adaptée au milieu que chaque monde offre. Sur la Terre, par exemple, nous avons des êtres qui vivent dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et même à l'intérieur des choses ou des êtres. Il y a des mondes inférieurs à la Terre, physiquement et moralement, d'autres de même condition que la Terre, et d'autres qui lui sont supérieurs. Il existe des mondes matériels et d'autres spirituels. Dans ces mondes spirituels, le mal n'existe pas, la souffrance physique non plus. Il n'y a plus de vice, de jalousie, de haine, de rancune, etc. Et personne ne manque de rien. Dans ces mondes, le bien domine. On y trouve beaucoup de charité morale et de progrès. On n'y pratique que le bien et l'amour du prochain. Et la légèreté du corps permet de se déplacer rapidement et facilement en glissant à la surface, par la seule volonté, au lieu de se traîner lourdement sur le sol comme sur la terre. Pour atteindre la perfection, il n'est pas nécessaire de passer par tous les mondes existants dans l'univers, car certains sont de même niveau et nous n'apprendrions rien de nouveau. Quand nous avons atteint la perfection qu'un monde permet, nous allons sur un autre monde, plus avancé. Quand nous serons de purs esprits, nous n'aurons plus besoin de nous réincarner. Nous ne resterons pas attachés à un endroit déterminé. Nous pourrons parcourir l'espace et les autres mondes. Nous serons les messagers de Dieu. Nous aurons le bonheur suprême.